Donc voilà, bienvenue à tous et merci d'avoir répondu, je dirais, à cet événement. Je voulais d'abord, avant de commencer et de présenter Bionutri Solutions, remercier un invité spécialement aujourd'hui d'être venu, donc qui est mon maître, qui est un grand professeur et un grand médecin émérite, et qui est mon mentor, le docteur Saïd Bataï. Merci d'être venu. Voilà. Ça, c'est très important. Pour le lancement de ce concept qui soit là, parce que la méthode qui va être expliquée aujourd'hui, en grosse partie, est due un petit peu à une espèce de brainstorming, à l'expérience, et notamment à un nouveau concept que je vais introduire, qui est le fameux concept de l'enzymothérapie. Donc c'est un concept qui est vraiment tout nouveau. Je vais essayer de vous l'expliquer brièvement et simplement, très brièvement, docteur, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, ça c'est la première partie. Alors, avant de commencer cette fameuse conférence de guérir en mangeant, je sais que dans certaines publications, il y a une fois maigrir, il y a une fois guérir, mais c'est bien guérir en mangeant. Donc, au début, j'ai voulu faire une conférence un petit peu plus ciblée. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit que les conseils que j'allais donner dans cette conférence de maigrir en mangeant, c'était beaucoup plus intelligent de mettre guérir en mangeant, parce que c'est malheureusement à l'heure actuelle une grosse problématique dans nos pays développés. Donc je vais un petit peu, avant de commencer directement cette conférence et me présenter, je vais présenter quelques statistiques malheureuses de l'Organisme mondial de la santé. Donc j'ai réussi à imprimer un énorme rapport de 172 pages, qui date de 2014, j'ai pas réussi à trouver celui de 2015, j'ai juste réussi à trouver les chiffres. C'est dramatique. Alors le constat est dramatique concernant le surpoids, concernant l'obésité, concernant l'évolution et le déclenchement de certains types de cancers. C'est dramatique au point... que même certains chercheurs, je dirais, ont essayé d'expliquer par rapport un peu à la démographie, donc le fait qu'on a, que la population, je dirais, est croissante et de plus en plus au niveau de ces années, mais ça n'explique pas, je dirais, le développement et les prévisions futures de l'Organisme mondial de la santé concernant cette obésité, ce surpoids, le cancer et le diabète. Je vais citer quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte. Aujourd'hui, donc, dans le rapport 2015, 1,4 milliard de personnes dans le monde sont en surpoids. Et en 2030, l'Organisme mondial prédit 3,3 milliards de personnes en surpoids. Donc on va doubler. Alors ça, c'est pour le surpoids. Donc j'insiste bien sur le mot surpoids, parce que le surpoids, ça touche énormément de monde. D'accord. Donc ça, on parle des populations adultes au-dessus de 20 ans. Alors l'obésité, donc je parle bien là des chiffres de l'obésité pour la Belgique, on est à 12%. On était à quasi 4% en 1980. On est à 12%. J'ai pris quelques statistiques aussi au niveau de la France. La France, on est à 14%. Ça touche plus les femmes que les hommes, paraît-il. Donc on est à 1 ou 2% près. Mais ce sont des chiffres vraiment que j'ai voulu citer pour que vous puissiez prendre conscience qu'on est, malgré toutes les préventions qu'on fait, ça fait 60 ans qu'on préconise, entre guillemets, des régimes dissociés ou des régimes hypocaloriques, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on est dans on a un résultat là, à l'heure actuelle, qui fait qu'on a un problème au niveau de la prévention, on a un problème au niveau, je dirais, de renverser la courbe. Et quand on a une évolution comme ça, exponentielle, il faut tout remettre en question. Il faut se poser la question, les bonnes questions. Il faut essayer de comprendre pourquoi, comment, et trouver des solutions, je dirais, concrètes pour le consommateur, pour nous. Il s'agit de notre santé, mais il s'agit aussi de la santé de nos enfants et de nos petits-enfants qui vont arriver. Donc c'est vraiment très, très, très important pour moi aujourd'hui. Donc au-delà que c'est une conférence de lancement pour moi, c'est une passion, je vais vous l'expliquer maintenant. C'est quelque chose que je fais depuis plus de 12 ans.
Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans le métier. On a pu avoir des débats, des ouvertures d'esprit. Et ici, à l'heure actuelle, je vais vous présenter un concept. Je ne prétends pas détenir la vérité. J'ai juste des arguments, j'ai juste des constats, des observations durant ces 12 dernières années. Et des tests, on teste avec des gens. Donc je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec des médecins, des professeurs, des chercheurs. Et on a tous un but commun. C'est d'essayer de faire améliorer la qualité de vie et l'hygiène de vie des gens pour essayer de renverser cette courbe. Je ne vais pas citer j'ai cité pas mal de choses, mais les chiffres du cancer, le nombre de cas qui est déclaré, on est à 652 069 nouveaux cas de cancer en Belgique. Voilà, mis à part ces catastrophiques, il est temps vraiment de réagir et de faire, je dirais, les choses, je dirais, de façon intelligente. C'est plutôt ça. Alors, rapidement, un petit CV sur moi. Alors, pourquoi un CV? Pour savoir qui je suis, d'où je viens, tout simplement. Pourquoi la diététique? Pourquoi la nutrition? Tout d'abord, moi, je suis diététicienne diplômée d'État depuis 2004. Je suis aussi nutritionniste, aromathérapeute et enzymothérapeute. Ce sont des formations complémentaires, mais qui ne sont pas, je dirais, certifiées comme diplôme d'État. D'accord? Donc, ce sont des formations complémentaires par la suite qu'on fait pour pouvoir, je dirais, étudier telle ou telle chose. Donc, je vais donner un petit peu la distinction. C'est la question qu'on me pose souvent dans les conférences. Alors, la différence entre diététique et nutrition, c'est très simple. La diététique va être plus, je dirais, mathématique. J'aime bien utiliser ce synonyme. Alors que la nutrition va plus être, je dirais, compréhension, complémentation, supplémentation, dans ce qu'on appelle la nutrithérapie aussi. Alors là, dans l'un, on va étudier un petit peu le nombre de calories, les différentes directives, le codex alimentaire russe, tout ce qui est très technique, on va dire, concernant l'alimentation. Et la nutrition pure et dure va plutôt étudier tout ce qui se passe dans le corps, donc toutes les réactions, ce qu'on appelle biologiques et chimiques, qui se passent dans le corps, en gros. Donc ça, c'est vraiment schématique. Alors, j'ai plus de 10 ans d'expérience. Donc, je suis conférencière depuis toujours, depuis que j'ai commencé, donc depuis ma sortie de l'école. Apparemment, j'ai une facilité de parler en public. Donc, je l'ai utilisée. Alors, je suis partenaire dans plusieurs projets, notamment dans ce qu'on appelle le projet européen Food. C'est un projet qui a été cofinancé par Edenred, la société Accor Services. J'ai participé aussi à plusieurs débats organisés par l'Organisme mondial de la santé lors de tables rondes. Alors, j'ai travaillé comme conférencière ou comme dans des events pour la Bank of New York Mellon. J'ai travaillé pour la Commission européenne dans plusieurs DG. Pour la société Spa, Swift, voilà, IKEA, vous voyez, oui, IKEA fait appel à nous pour pas mal de choses, notamment des audits en question des cahiers de charges au niveau de leurs fournisseurs pour l'aspect alimentaire, de leurs travailleurs, mais aussi de leurs clients. J'ai mis en place une application, en tout cas le contenu d'une application qui est dans le Maghreb pour l'utilisation, je dirais, voilà, simplement régime coach et un suivi. Donc j'ai mis en place tout le concept il y a quelques temps, je pense il y a 2 ans maintenant. Référence. Et ici, vous avez les partenaires. Donc on travaille avec l'Aspria, avec Food, comme je vous l'ai expliqué, People First Management, qui est une société d'event, Partenamut, Kanki. Et mon préféré, qui est ici à la salle, Biotech Nobel, Research and Development. Voilà. Donc, je ne sors pas de nulle part, je ne suis pas une googliste, je ne suis pas, ok, un petit peu autodidacte, mais il y a des références derrière, donc c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle de préciser qu'on ne sort pas des concepts comme ça, qu'on ne sort pas une méthode comme ça, c'est des choses qui viennent avec l'expérience, avec une méthodologie de travail, et c'est ça que je viens vous présenter un petit peu aujourd'hui. Alors, le sommaire d'aujourd'hui, donc la fameuse méthode NEA, guérir en mangeant, quelques notions de base, parce que je ne pourrais pas tout vous expliquer aujourd'hui. La gestion du stress, les futures conférences, et en fait, aujourd'hui, vraiment, j'ai fait je dirais, une présentation très courte pour vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, il y aura, à mon avis, un question-réponse qui sera un petit peu plus long que la présentation elle-même. Et si vous avez des questions? Alors, de quoi s'agit-il? Donc, qu'est-ce que c'est la méthode NEA?
En fait, la méthode NEA est l'abréviation de trois mots, tout simplement. Nutrition, enzyme et aromathérapie, slash phytothérapie, parce que je travaille un petit peu avec les deux. Alors, cette méthode a été mise en place après quelques années de réflexion. Comme je vous l'expliquais au début, ça fait 60 ans qu'on fait des régimes hypocaloriques, ça fait 60 ans, peut-être, oui, on peut dire 60, cinquantaine d'années pour le régime Atkins, ça a commencé les régimes dissociés. Et on a toujours autant de problèmes. On a toujours autant de personnes en surpoids, on a toujours autant d'obèses, malheureusement. Donc il y a un problème. Donc on s'est rendu compte, il y a des études d'ailleurs à l'heure actuelle qui le prouvent, en tout cas pour les régimes hypocaloriques et certains régimes dissociés, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça va accentuer vos problèmes, notamment d'état inflammatoire au niveau notamment des intestins, mais créer d'autres pathologies plus lourdes par la suite. Donc il faut faire très 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 attention. Se nourrir est un acte conscient, il doit le devenir, c'est très très important. Donc on se nourrit plusieurs fois par jour, il faut savoir ce que vous avalez, ça c'est très important. Parce que les conséquences plus tard peuvent être dramatiques. Alors, cette méthode NEA va travailler sur trois phases. Une première phase de déchargement, une deuxième phase qui sera la phase de restauration et une troisième phase qui sera la phase de stabilisation ou d'équilibre. C'est comme vous voulez, c'est la même chose. Alors pourquoi j'ai travaillé sur ces trois phases? Donc, notamment par rapport à l'observation chez certains de mes patients en disant tiens, on va lui donner directement quelque chose de dur, un régime très strict à suivre, pas au niveau calorique, mais vraiment au niveau de la réorganisation alimentaire. Et puis, on va lui donner des compléments parce qu'il a un problème. Et puis, je me suis rendu compte que, suivant la majorité des patients, le retour, je me suis dit, tiens, il y a un souci. Il y a un souci, pourquoi? Parce que ces patients, ben, ça fonctionnait bien pendant 10 jours, 3 semaines, 4 semaines, et puis qu'on avait une tendance qui s'inversait, malheureusement, et avec des problèmes qu'ils n'avaient pas au début. Et là, j'ai commencé à réfléchir. J'en ai discuté avec certains médecins, notamment le docteur Saïd qui est là aujourd'hui, et en fait j'ai compris ce qui se passait dans le corps. Donc quand la majorité des patients à l'heure actuelle viennent me voir en consultation, viennent voir n'importe quel médecin ou thérapeute, ben, ils sont déjà dans un état inflammatoire chronique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un état inflammatoire chronique? Ben, ils sont déjà, je dirais, assez malades. Malades mais ils ne le ressentent pas, ou ils sont à un niveau, on va dire... qui pensent, je dirais, j'ai quelques ballonnements, j'ai du mal à dormir, je me sens fatiguée, je me lève tous les jours fatiguée, mais c'est normal, alors que c'est pas normal. D'être ballonné tous les jours, de se réveiller, moi j'appelle ça au pied de biche en disant « Oh mon Dieu, me parlez pas avant mon premier café du matin », ce n'est pas normal. Donc avoir des états très gris ou être très vite susceptible tout le temps en permanence, ce n'est pas normal. Donc il faut savoir que tous ces symptômes, s'ils sont récurrents, ben, il faut savoir que ça vient de votre hygiène de vie. Il y a un souci. Donc là, il faut prendre du recul et savoir d'où vient le problème. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les observations. Donc la phase de déchargement, moi je l'appelais détox, mais je n'aime pas ce mot détox. Alors, la phase de déchargement, on va dire, on va mettre au repos plutôt les organes pour leur permettre de se nettoyer tout seul. Alors détox, c'est un effet de mode. J'ai voulu utiliser cet effet de mode pour... On va dire, moi j'appelle ça catcher les esprits et les faire, je dirais, parce que les gens fonctionnent à l'effet de mode, mais ce n'est absolument pas une détox, on ne boit pas des jus ou des soupes bizarres ou on ne mange plus du tout, donc ça n'a rien à voir, où je donne des espèces de plantes miraculeuses qui vont vous faire sortir tous vos toxiques du foie ou des reins, etc. Donc c'est vraiment pas du tout ça, mais c'est quelque chose qui a été voulu, le mot a été choisi pour vous permettre d'attirer votre attention, tout simplement. La phase d'enzyme, la phase 2, qui est la phase de complémentation. Donc, depuis quelques années, on va dire, aux États-Unis, quand même, ça fait beaucoup plus longtemps que nous, une petite quinzaine, vingtaine d'années, docteur, voilà, qu'on s'est intéressé un petit peu aux enzymes, qui sont tout simplement les outils avec lesquels votre corps va digérer. Je vais expliquer ça un petit peu plus, le petit ciseau qui va couper, qui va être activé ou pas par certaines substances, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. La complémentation en enzymes, depuis que je l'utilise, avec d'autres choses plus légères, chez les patients qui sont quand même assez... qui arrivent chez moi dans un état... Parce que c'est bizarre, moi je n'ai pas que des gens que je dois faire maigrir, j'ai des gens qui viennent avec des pathologies assez lourdes, des maladies de Crohn, des RCUH,
J'ai des candidats albicans, je dirais, qui sont installés chez les gens depuis 10-15 ans, qui n'arrivent pas à se débarrasser. Donc j'ai quelque chose, j'ai des patients quand même avec des pathologies assez lourdes, et j'essaie de les aider, vu qu'ils ont essayé tout. Je ne me prétends pas médecin, hein, attention. Hein. Mais quand on a tout essayé et que ça ne fonctionne pas, donc on revient à des choses un petit peu plus de base, plus douces, plus douces, vraiment des traitements plus doux, pour essayer de trouver une solution. Voilà, et c'est souvent des médecins qui me les envoient d'ailleurs, hein, des gastro-entérologues ou des neurologues, bizarrement, qui m'envoient leurs patients en disant « je ne sais plus rien faire, est-ce que tu veux bien t'en occuper ?» Parce que moi, je n'ai plus le temps et j'ai tout essayé de version médecine allopathique traditionnelle. Et la troisième phase, qui est la phase d'aromathérapie et de phytothérapie, pour l'aspect, je dirais, neutre. Alors, pourquoi je dis l'aspect neutre ? À force que la population utilise des antibiotiques et des molécules dites lévrogyres, donc ça veut dire quoi ? Ce sont des molécules, l'homme a essayé de copier la nature, donc il a breveté certaines molécules, et à force d'utiliser ces molécules sur le corps, ben vous ne réagissez plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider en parallèle, pour diminuer certaines infections, pour stimuler votre immunité au métabolisme ? En phase de stabilisation et d'équilibre, jamais dans les phases précédentes, ça sera le débat d'une autre conférence, on va utiliser l'aromathérapie, la phytothérapie pour vous aider. Quand on a fait ces trois étapes, qui peuvent durer entre 3, 6 mois, 9 mois, 1 an chez certains patients, il faut savoir un peu le type de maladie, le type d'inflammation qu'ils ont, voilà, ça dépend de plusieurs facteurs, mais il faut toujours, là, les gens me disent, mais c'est long, vous avez mis 15 ans, 10 ans à tomber malade. Là, je vous propose entre 3, 6, 9 mois, voire 1 an, pour vous aider à vous, je dirais, à retrouver, je dirais, une vie, on va dire, plus ou moins normale. Parce que c'est pas gai. D'être fatigué, c'est pas gai. Je dirais, tout est impacté autour de vous. Donc, c'est vraiment très important donc, de pouvoir redonner de l'énergie à une personne. Ça se passe par étapes, hein. Il n'y a rien de miraculeux. C'est petit à petit. Chaque fois qu'on va réparer un endroit, ben, ça va soulager un autre endroit et ça va faire un effet cascade. Donc c'est étape par étape, et toujours en douceur. Le corps ne supporte pas être stressé, et ne supporte pas avoir quelque chose de violent. Donc avoir une extracte d'une molécule, je reviens toujours avec, et lui donner à haute dose, le corps réagit très mal. Lui donner des petites choses, lui donner des outils pour lui permettre de se régénérer, de se restaurer, c'est quelque chose qui va mieux accepter. D'accord ? Soyez acteur de votre santé et non plus spectateur. Ça c'est quelque chose que... C'est une phrase qui va vraiment... je veux vraiment qu'elle reste dans votre tête, que vous répétiez plusieurs fois, parce que c'est nous qui décidons d'eux. C'est un petit effort, mais franchement, les résultats qu'on en a en retour sont extraordinaires. Alors, la nutrition. Donc le fameux N de la méthode NEA. Alors, quels sont, je dirais, les petits conseils avec lesquels vous pouvez repartir aujourd'hui ? Concernant qu'est-ce qu'on entend par bien manger. Donc on se voit manger équilibré, bon, on a un petit peu les régimes vegan pour le moment qui sont très à la mode, ou les régimes dissociés, etc. Mais qu'est-ce que c'est la nutrition et qu'est-ce que c'est de bien manger ? Voilà. Alors pour moi, tout simplement, pour moi, les petits trucs que je vous donne, ce sont les trucs, les 6 petites cases ici que vous voyez aujourd'hui. La première, et toute son importance est dans la première, mastication et salivation. Prendre le temps de mâcher. Alors, je ne vais pas vous dire de mâcher une bouchée pendant 20 fois avant de l'avaler, ce n'est pas ça que je veux dire, mais prenez le temps de mastiquer, de bien mélanger votre salive. Pas mal d'enzymes sont activées quand vous commencez à manger. Si vous court-circuitez cette étape, vous avez 80% de chances d'avoir des problèmes au niveau de vos intestins. Et si problème au niveau de vos intestins, risque sur du long terme de porosité, prise de poids, fatigue chronique, votre foie est surchargé, donc c'est un effet cascade catastrophique. Donc mastiquer et saliver. Alors, il faut savoir que quand je dis aux gens de prendre le temps de manger, c'est entre 20 et 30 minutes. On ne reste pas à table pendant une heure. Pourquoi ? Parce que nos enzymes fonctionnent pendant les 20 à 30 minutes. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention, je dirais, à cette étape. Donc si vous devez sortir et penser à quelque chose, c'est mastiquer et bien mélanger les aliments à votre salive. Ça, c'est vraiment très important. Je vais donner un petit peu quels types d'enzymes et comment sont activées à ce niveau-là dans les slides plus tard.
toujours manger en association. Alors, ici, c'était GLP, c'était glucides, lipides, protéines. Alors, pourquoi je mets une slide pour insister? Parce que c'est les régimes à la mode à l'heure actuelle. Ben voilà, c'est les régimes dissociés, les régimes vegan. Voilà, donc moi, je dis toujours manger en association. Pourquoi? Nous sommes des omnivores. Notre système biochimique, donc notre système de digestion, est fait pour sécréter ce qu'on appelle les enzymes, les petits ciseaux qui vont couper vos aliments, en association. C'est des blocs. On est codifié génétiquement comme ça. On ne sait pas faire autrement. Donc quand vous digérez, votre corps, je dirais, commence déjà à produire ces trois éléments pour digérer ces trois choses en même temps. Et il n'aime pas quand on lui enlève un élément. C'est du gaspillage pour lui. Et le corps n'aime pas gaspiller. Donc on le perturbe. Le but, c'est toujours de décharger votre métabolisme un maximum. D'accord? On lui laisse faire le boulot et on ne le stresse pas. Alors, moi je suis pour les produits bio non traités, locaux et de saison. Alors le mot bio, à l'heure actuelle, est très galvaudé, malheureusement. Il y a à boire et à manger. Il y a le bio-industriel, il y a le bio, le faux bio. Hein. Moi, il faudrait qu'on m'explique des haricots verts qu'on trouve durant toute l'année et qui viennent du Kenya et qu'on certifie bio. J'ai un petit peu mes doutes là-dessus. Ou du filet de pangasius bio. J'ai aussi mes doutes là-dessus. Même si c'est un poisson d'élevage, j'ai mes doutes. Donc, le bio, quand je dis bio non traité, c'est vraiment le local de saison, privilégier vraiment les agriculteurs belges. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas de raison d'aller chercher ces produits ou même manger des haricots verts en plein hiver. Il n'y a pas de raison pour ça. Donc, voilà, moi, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver un peu ce qu'on appelle des groupes. J'ai mis pour les gens qui me suivent sur Facebook, j'ai mis quelques liens de trucs assez sympas et pas trop chers où vous pouvez commander des choses non traitées locales. Ils sont délicieuses d'ailleurs, j'ai pu tester à plusieurs reprises. Alors, diminuer, voire supprimer, alors, au maximum les produits industriels. Il n'y a rien de bon là-dedans. Quand vous avez une étiquette, par exemple pour de la mayonnaise, ça je la reprends souvent, où il y a plus de 12, 13, voire 15 ingrédients dedans, alors que pour faire une mayonnaise, on a besoin de maximum 4 ingrédients quand on le fait chez soi, c'est pas normal. Alors maintenant, on commence à classifier ce qu'on appelle les additifs. Il y a des additifs qu'on dit jaunes, ça veut dire que ou vert, ah, sont permis. Vous avez les oranges et vous avez les rouges qui sont complètement interdits et prouvés qu'ils sont cancérigènes de façon isolée. Donc il faut savoir que les additifs ne sont jamais testés, je dirais, en effet cocktail. Ils sont toujours testés de façon individuelle. Et alors, évidemment, la Commission européenne a mis un beau petit tableau avec ce qu'on appelle les DJRA, les doses journalières acceptables, mais c'est individuel et c'est pour un additif. Et on n'a jamais, il y a très très peu d'études, je pense que je suis tombée sur une étude canadienne, qui commence seulement à étudier les effets cocktails des additifs. Donc, même si vous avez des additifs où il y a de l'orange, trois oranges et un verre en disant « Oh, mais non, mais c'est bon », je vous déconseille de l'acheter quand même. On n'a pas, à l'heure actuelle, assez de recul pour voir les impacts au niveau du métabolisme. Enfin, nous, on a des hypothèses, mais après, on va nous jeter des pierres si on dit ça. Pour nous, c'est pro-cancérigène, ça participe à la maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. Il y a beaucoup de pathologies à l'heure actuelle qui sont de nouveau, qui évoluent de façon exponentielle. Et on suppose, beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle supposent que c'est dû à ce type de cocktail, je dirais, qu'on trouve dans l'alimentation industrielle. Alors, manger à heure fixe. Le corps aime l'ordre. Il déteste le chaos. Donc, le corps aime quand vous lui donnez des choses régulières. On mange le matin. Je vais détruire l'histoire de la collation de 10 heures. On ne mange pas sucré le matin. On évite de manger sucré le matin. On laisse son corps 4 heures, au moins entre 3 et 4 heures au repos. Alors, j'en ai dit, c'est pas possible, j'ai faim après 3 heures. Il faut voir un petit peu ce que vous avez l'habitude de manger. Je vous donne toujours l'exemple du brunch du dimanche. Quand on brunch le dimanche, généralement, on ne mange pas avant 2-3 heures parce qu'on est calé. Il y a des œufs, il y a de la charcuterie, ce genre de choses. On mange du beurre, etc. On mange plus. Donc, quand on observe, vous voyez que vous mangez beaucoup plus tard, voire même vous soupez seulement, tellement que ça vous cale, ça vous tient au corps.
Alors le but de ce type de programme, c'est un petit peu de vous redonner une structure. Il n'y a pas besoin de la collation de 10 heures. Si on mange bien le matin, on laisse au corps au repos pour qu'il puisse notamment, je dirais, faire autre chose. Si chaque fois vous déclenchez le système digestif, ça prend énormément d'énergie de digérer. Hein. Vous gaspillez beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc pour éviter de gaspiller de l'énergie dont le corps a besoin, dont votre cerveau a besoin, ben, vous le laissez au repos, vous mangez bien le matin, vous lui donnez des bons outils et vous le laissez 4 heures au repos jusqu'à ce que la faim arrive naturellement. Donc arriver à midi et être affamé, ce n'est pas normal. De façon régulière, hein. Là je parle toujours de façon régulière. Quand on a mal dormi la veille, quand on a gadaillé, qu'on n'est pas bien, ça forcément, évidemment, le lendemain, votre corps est complètement chamboulé et vous n'avez plus les bons stimuli, on va dire. D'accord ? Alors, il y a une collation qui est quand même importante pour certains types de personnes qu'on appelle les personnes qui ont un problème de sérotonine énergie, donc il y a un problème d'addiction, qui ne peuvent pas se passer de manger du sucre, qui se disent j'arrive à passer une certaine heure, surtout c'est quand on rentre du boulot. Hein. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas que vous n'avez pas de volonté pour craquer. Ce n'est pas une question de volonté. C'est vraiment une question de votre corps n'a pas reçu les outils, l'unité, le nombre d'unités de sucre, ou de magnésium, ou de calcium, qui n'a pas reçu les éléments dont il a besoin pour pouvoir, je dirais, réagir face à la fatigue de la fin de la journée, tout simplement. Et ce sont souvent des gens qui disent « je peux pas, je dois craquer sur un paquet de biscuits, sur du chocolat le soir, etc. » Évidemment, ils ne se contentent pas de manger un peu, c'est tout le paquet qui passe. Et ce n'est pas une question, je dirais, de vouloir, de nouveau volonté. Il faut rétablir, rééquilibrer ce déséquilibre. Voilà. Et ça se passe en étapes. Et la collation de 5 heures est très importante chez ces personnes-là. C'est pour calmer ses envies de sucrer plus tard. Donc c'est à ce moment-là qu'on demande de prendre quelque chose de sucré de bonne qualité, évidemment. On dit souvent vers 8 heures après le lever. Ça dépend à quelle heure vous vous levez. Alors prendre le temps de manger, ça je l'ai dit à la première phase, au calme. On ne mange pas parce qu'on est stressé devant son bureau, on doit finir des choses. On mange au calme et on prend maximum 30 minutes pour manger. Il n'y a pas besoin de rester une heure. Si vous mangez, si vous tardez et vous mangez trop tard, plus tard que ces 30 minutes, vous allez ballonner. Parce que vos corps ne produisent les enzymes pour vous aider à digérer que pendant les 20 à 30 premières minutes. Alors c'est un petit peu schématique, hein, donc je vous explique un petit peu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je veux vraiment qu'en sortant d'ici, vous puissiez comprendre ce concept d'enzymes et que vous fassiez beaucoup plus attention. Alors en fait, les enzymes, comme je vous l'ai expliqué au début, sont des petits ciseaux qui vont venir couper vos aliments. Et ces petits ciseaux, ben, il y en a beaucoup dans le corps, il y en a vraiment beaucoup. On compte, je pense, dans le corps à peu près plus de 100 000 réactions enzymatiques différentes. On a plus de 100 000. Si je dis des bêtises, docteur, vous me dites. Hein. Donc voilà, il y en a plus de 100 000, dont certains, voilà. Donc certaines de ces enzymes-là vont être activées par tel ou tel sel minéraux, vitamines, etc., etc. Donc elles sont représentées, elles sont activées, elles sont désactivées, etc. Voilà, ça c'est le petit substrat. Ça c'est dans le cadre du monde idéal. Voilà, le petit calcium qui va venir se fixer pour activer cette enzyme qui va vous permettre de couper, je dirais, vos aliments. Alors malheureusement, et là je reviens avec les additifs pour que vous puissiez prendre conscience de cette importance-là, beaucoup d'additifs, beaucoup de pesticides, notamment certains métaux lourds comme le plomb, l'arsenic, etc., ont les mêmes attaches que le calcium qui va activer, par exemple, ce type d'enzyme. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous chargez votre corps de toxiques? Ce plomb, cet arsenic, ces additifs vont venir se mettre à la place de ce calcium ou de ce magnésium pour activer cette enzyme, et ils vont la rendre inactive. Donc, quand vous allez manger, vous n'aurez pas les petits ciseaux pour couper les aliments. Vous allez reporter ce qu'on appelle une charge dans vos intestins. Et dans les intestins, je vais parler de la flore comment ça plus tard. Les intestins contiennent des bactéries. Moi, j'aime pas appeler bonnes et... Bon, il y a les mauvaises bactéries, mais des bactéries qui vivent en équilibre dans le monde idéal. Ou dans le cadre où vous êtes en bonne santé. Mais il faut savoir que y a aussi des bactéries qu'on appelle gram négatives, qui sont des bactéries pathogènes. Et si ces bactéries se retrouvent avec des substrats qui ne sont pas digérés, ils vont commencer
à évidemment manger ces restes-là. Vous allez pas le, vous allez, elles vont se reproduire, hein, vu qu'elles ont de quoi manger, donc elles vont se reproduire. Et vous allez accentuer certains autres types de problèmes et d'inflammation et d'infection dans le futur. Donc, digérer, respecter les différentes étapes de la digestion vous permettra de retrouver votre équilibre intestinal. Alors, ces enzymes, je les ai mis pour l'activité, vous le savoir. On ne mange pas trop chaud. Donc c'est très important. Les enzymes sont activées à une certaine température, mais quand vous dépassez cette température, je pense que c'est 60 degrés, c'est 60 degrés, elles sont complètement inhibées. Donc faites attention à, ne pas manger trop chaud, voilà, si je peux vulgariser ça comme ça. Voilà, vous avez l'activité. Donc elles sont ce qu'on appelle hydrophiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles aiment l'eau. Donc on conseille généralement, quand vous mangez, un verre d'eau. Vous buvez avec un verre d'eau pour aider vos enzymes à être activées. Pas un litre d'eau, s'il vous plaît. J'ai dit un verre. Pourquoi je précise? Parce que si vous buvez trop d'eau, vous allez diluer votre estomac. Et si vous diluez votre estomac, vous allez avoir un autre problème, vous n'allez pas digérer les protéines. Elles vont être de nouveau, là c'est plus grave, je dirais, que les glucides. Parce que si vous vous retrouvez avec des protéines qui ne sont pas digérées au niveau de vos intestins, là c'est sûr, c'est le substrat des bactéries gram-négatives. Et là vous allez dans le futur, si vous mangez comme ça tout le temps, trop chaud, ou pas assez d'eau, qui ne sont pas actives, vous risquez des probabilités d'avoir ce qu'on appelle le cancer du côlon. Donc il faut faire vraiment attention. Alors, là j'ai parlé un petit peu, j'ai empiété sur les deux, donc enzymes et flore commensale. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que je vais faire une conférence, je vais vous présenter la liste des conférences plus tard. Nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. C'est vraiment, il faut vraiment vous le, voilà, je veux dire, le graver quelque part. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit le plus important pour vous. Parce que si vous arrivez à régler vos problèmes au niveau de vos intestins, ce qu'on appelle des micro-inflammations, inflammations, porosité ou micro-porosité intestinale, il y a plein de noms qui sont inventés à l'heure actuelle. Mais plus vos intestins sont en bonne santé, plus vous serez en bonne santé aussi. C'est aussi simple que ça. Nos intestins abritent 60% de notre immunité. Donc quand on est ballonné tout le temps, quand on a des crampes, des ballonnements, des diarrhées, des constipations, etc., etc., ben on est malade. On est plus facilement, plus souvent malade. Quand là ça va, tout le reste du corps ça va. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails sur le nombre, le type, etc., machin. Ça sera vraiment dans une autre conférence. Mais ça, la méthode... L'outil se base principalement sur la restauration ou le rééquilibre de cette flore commensale. C'est vraiment très important. Alors, une petite définition Larousse de l'aromathérapie. Donc, c'est un traitement thérapeutique par ingestion, massage du corps ou inhalation d'huile essentielle, végétale ou d'essence aromatique. L'aromathérapie est une branche de la phytothérapie, traitement des maladies par des produits dérivés des plantes. Alors, ces produits dérivés des plantes sont obtenus par distillation. Donc, ça existe depuis des siècles et des siècles. Ça a été utilisé dans la Grèce antique, ça a été utilisé chez les Persans, je ne vais pas dire les Arabes, parce qu'il y a un petit débat à ce niveau-là. Et je dirais que c'est un traitement aussi vieux que le monde, mais ce n'est pas à mettre à la portée de tout le monde. Donc, c'est bien de vouloir un petit peu mettre des diffuseurs d'ambiance, etc. Si vous voulez passer plutôt un traitement type thérapeutique, moi je vous conseille vraiment de passer par un professionnel. Il doit être aromathérapeute, un vrai qui a suivi des formations et qui a suivi un cursus d'aromathérapie, parce que ça peut provoquer de gros dégâts si c'est mal pris à des moments qui ne sont pas bien pris. Et ça peut être une substance extraordinaire, je dirais, surtout pour traiter de certains types d'infections et d'inflammations à la place des antibiotiques, hein, comme je l'expliquais au tout début. Donc c'est une belle science, c'est un bel outil, mais ne pas mettre dans toutes les mains, parce que c'est la grande mode maintenant, donc je voulais signaler. Et la phytothérapie, la petite définition, donc la phytothérapie est l'utilisation des plantes pour soigner les maladies. Quand on parle des plantes, il s'agit de végétaux tels qu'ils sont dans la nature, mais tels aussi qui sont pour les préparer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plantes, on peut les avoir dans plusieurs, sous forme de plusieurs tisanes, on va dire, infusions, décoctions, teintures mères, etc. Donc en fait, là, on prend le produit brut
de la plante, l'écorce, les feuilles ou la fleur, qui va permettre d'être utilisée directement en traitement de fond ou en aide. Parce que la décoction, on concentre les extraits. La décoction, c'est faire bouillir pendant quelques minutes les feuilles, l'écorce ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est médicamenteux. Donc il faut faire attention quand on s'y prend les plantes. Moi, je dis souvent, les plantes, c'est inoffensif. Non, une plante, c'est un médicament. Donc on ne prend pas comme ça, on ne fait pas des décoctions comme ça parce qu'on en a envie ou voilà, tiens, je vais me faire de la valériane, je vais en décoction comme ça parce que j'ai du mal à dormir. Il faut faire attention. Toujours aussi passer par un professionnel pour utiliser ce type de produit-là. Alors, les cures qui sont proposées par BNS, donc Bionutri Solutions, donc qui sont des cures détox, donc je vous l'ai dit, hein, c'est déchargement, une cure immunité, une cure sport et une cure personnalisée. Donc ça, c'est les quatre différents types de cures voilà, que je propose en fonction, je dirais, soit de monsieur et madame tout le monde. Ces cures détox, immunité, sport, personnalisée ont été adaptées. Pas la personnalisée, mais en tout cas les trois-là ont été mises en place pour, on va dire, une population belge ou française, avec les mêmes types d'habitudes, de façon générale. Parce qu'on ne peut jamais proposer quelque chose, je dirais, de complètement figé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il y a des bases, ça sera toujours personnalisé. Donc moi, je donne un plan alimentaire, que ce soit dans le choix de la cure personnalisée ou autre, mais au fur et à mesure que le patient ou que le patient me pose des questions, au fur et à mesure que je découvre aussi son métabolisme, ça évolue. Donc l'immunité dans 3 ou 4 semaines, voire 1 ou 2 mois pour un patient X ou Y, ils vont tous démarrer de la même façon. Et ensuite, en fonction de la réaction, parce qu'on a notre propre code génétique, hein, on n'est pas pareil. Donc un traitement, je dirais, tout traitement, n'importe lequel, même médicamenteux ou quoi que ce soit, peut aller à une personne et ne peut pas aller du tout à une autre personne, ne va pas le supporter. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. Donc moi, je reste toujours à l'écoute. Donc ça veut dire, on peut donner un plan alimentaire généralisé, de façon générale, mais il faut suivre le patient, il faut l'écouter, et il faut adapter au fur et à mesure. Et on adapte au fur et à mesure. Ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus efficace. Alors, guérir en mangeant. Bon, j'en ai un petit peu parlé aussi au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que c'est guérir en mangeant ? Hippocrate l'a dit, votre alimentation est votre première médecine. Il n'y a rien à faire. On ne peut plus considérer que s'alimenter est un acte inconscient. Si on veut être en bonne santé, si on veut se sentir bien, si on veut avoir de l'énergie. Alors, les gens disent, surtout ils me prennent entre guillemets mon exemple, mais est-ce que toi tu n'es jamais fatigué ? Ben oui, il m'arrive d'être fatigué. Mais il m'arrive très rarement d'être écroulé de fatigue, malgré mon rythme de vie. Je ne me lève pas au pied de biche, alors que parfois j'ai des journées vraiment de 14 voire 16 heures à la suite, de façon intensive. Mais je ne me lève jamais écroulée de fatigue, ou traînant le pied, ou n'étant vraiment pas bien. Donc c'est ce que j'explique, moi ça a changé ma vie. Donc moi je suis ancienne obèse, je ne l'ai pas dit au début. Mon papa aussi a été gravement malade, étant très jeune, vers l'âge de 13 ans, il a fait un AVC grave, où il a été tétraplégique. Donc je me suis vite intéressée aux outils, parce que j'ai trouvé ça, je dirais, pas normal, parce que j'ai commencé à observer il y a quelques temps, en conférence, quand je donnais les conférences, surtout dans les sociétés, j'adorais poser la question, je ferai à la fin de la présentation, qui dans son entourage proche avait quelqu'un qui avait le cancer, le diabète ou qui avait eu un AVC. J'avais peut-être 5 ou 6 doigts qui se levaient. À l'heure actuelle, quand je pose cette même question, j'ai la moitié de la salle qui lève la main. Donc, sans même avoir des études, sans même, je dirais, juste en observant les gens, en observant son entourage, en écoutant, on voit qu'on a un souci à l'heure actuelle. Donc, c'est pas la peine d'attendre des statistiques pour pouvoir confirmer ce qui se passe. On a un souci et il faut vraiment, entre guillemets, se prendre en main au plus vite. La perte de poids, j'en ai pas parlé depuis le début, je vais en parler maintenant. La perte de poids n'est qu'un effet secondaire de ces cures. Alors, je ne m'attarde pas sur la perte de poids parce que d'office, si vous remettez en équilibre votre métabolisme, si vous donnez les outils qui sont bien absorbés, votre corps ne va pas vous réclamer autre chose.
Et si votre corps ne vous réclame pas autre chose, ben il n'a plus besoin, il va aller chercher dans vos graisses de réserve, tout simplement, et vous allez maigrir. Moi, j'appelle ça en mangeant. C'était la première. Donc, maigrir en mangeant, guérir en mangeant. Voilà. La perte de poids est un effet secondaire naturel. Et les gens, j'avouerai qu'ils l'oublient. Au début, ils viennent pour ça. Mais au fur et à mesure qu'ils suivent le traitement, ah, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. Qualité des ongles, de la peau, du cheveu change. On se tient plus droit, on respire mieux. Des choses qu'on se dit, mais c'est pas possible, est-ce que l'alimentation peut faire que ça? Oui, avec la gestion du stress. Ça sera une autre slide. Donc, impact de nouveau des additifs, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds. Ça sera discuté dans les prochaines conférences. Digestion, fonctionnement et outils. Je vais bien expliquer. Alors, le but ici, beaucoup de médecins, beaucoup de mes collègues, hein, diététiciens ou nutritionnistes, ça ne sert à rien d'expliquer aux patients, ils ne comprennent rien. Donne-leur l'outil, explique-leur ce qu'ils doivent manger ou pas. Ce n'est pas la peine de gaspiller ton temps à leur expliquer ce qui se passe dans leur corps. De toute façon, ils s'en fichent. Alors, ce n'est pas vrai du tout. Parce que moi, en prenant le temps, en discutant avec les patients qui viennent me voir, en essayant de leur vulgariser un maximum ce qui se passait dans leur corps, en comprenant l'acte de manger de telle ou telle substance, qu'est-ce qui allait se passer, ils l'ont vécu par eux-mêmes, parce qu'il y a un ressenti aussi qui doit confirmer ce qu'on a dit. Et ben, les consultations suivantes, le patient revient, il revient avec des questions. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand un patient revient avec des questions? C'est quand même qu'il a compris une grosse partie de ce qu'on lui a dit. Et il découvre des outils, et il découvre des choses. Et moi, le but, c'est de donner et d'expliquer un maximum les outils pour, par la suite, qu'il puisse se débrouiller tout seul. Donc le but, c'est de donner les outils. Ce n'est pas travailler avec des enseignes toute votre vie. Hein. Ce n'est pas ça le but. C'est vous les donner à un certain moment pour régler votre souci, équilibrer, stabiliser. Vous n'en aurez plus besoin. Donc c'est votre gestion hygiène, votre gestion alimentaire et votre hygiène de vie qui fera le reste après. Décharger, nettoyer, restaurer, stabiliser, prévenir. Ça, ce sont mes mots d'ordre. Intestin égale deuxième cerveau. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rester bien ancré aussi. La gestion du stress. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent apprendre absolument à faire. Je me suis intéressée à l'aromathérapie à cause de ça. Je me suis intéressée à la phytothérapie à cause de ça. Je me suis aussi intéressée aux gestions, on va dire, psychologiques, un peu le PNLL, ou sophrologie, à cause de ça. Stress. Il n'y a pas de stress positif ou négatif. Il y a du stress. Quand votre corps est en stress, quel que soit le type de stress, vous accélérez ce qu'on appelle le processus oxydatif du corps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement le vieillissement cellulaire? Quels sont les types de stress qu'on peut avoir? Stress sportif, je n'ai pas mis d'image, ça sera dans le cadre d'une conférence. Le stress d'une demoiselle qui vous court après ou d'un monsieur qui vous court après, vous n'en avez pas trop envie. Et vous avez votre stress du boulot. Donc ça, c'est les types de stress. Bon, ça, on va dire que chez nous, c'est pas trop le cas. On n'a plus de bêtes sauvages qui nous courent après. Mais ceci, je vais vous expliquer, j'ai pris cet exemple-là. Ça, c'est un stress pour lequel notre corps est construit, génétiquement. Ça, notre corps, il n'est pas construit pour ce type de stress-là. Parce que c'est ce qu'on appelle des micro-stress. Et on en a en permanence. Ça, c'est un gros stress qu'on a une fois. Donc si vous arrivez à grimper l'arbre et que l'hippopotame ou l'ours s'en va, je dirais vos hormones reviennent à normes, vous redescendez, vous allez compenser, parce qu'on compense toujours. Après un gros stress, parce que tout votre sucre est mobilisé pour fuir là pour le moment, tout votre sucre au niveau sanguin. Donc quand le stress est redescendu, vous avez ce qu'on appelle une hypoglycémie naturelle. Alors quand c'est redescendu, vous avez faim. Mais là, hop, gros coup de stress, bon voilà, c'est fini. On va prendre un peu de sucre, hein, on va aller chercher du sucre pour un petit peu se ravitailler, et ça rentre dans l'ordre. Par contre, ce type de stress-là, malheureusement, c'est ce qu'on appelle un micro-stress. Ça veut dire que vous êtes tout le temps en pic, et vous ne faites jamais redescendre. Et votre corps n'aime pas ça. Et alors, toujours les gens disent « j'ai envie de sucrer, j'ai envie de... » Une des raisons, pas toutes, mais une des raisons vient de cette mauvaise gestion du stress. Prendre du recul. Je montrerai dans une prochaine conférence aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer son stress. Mais le premier pas, la première chose, on parlera aussi de méditation, de prière, etc. L'aspect un peu plus, on va dire, spirituel aussi. Vous devez trouver votre méthode, tout simplement. Celle qui vous va. De la peinture, du piano. Il y a un tas de choses que les gens ont... En fait, les gens se sont oubliés. Ont oublié ce qui leur faisait plaisir.
On rend les enfants, la famille, le boulot, etc. Et on oublie ce qui peut nous faire plaisir ou ce qui nous faisait plaisir. Donc c'est vraiment très important de remettre à jour ça. Parce que si on n'arrive pas à remettre à jour ça, on peut manger les meilleurs aliments du monde, on peut faire les choses au meilleur du monde, mais ça n'ira jamais. Parce que ça viendra tout perturber à l'arrière. Une meilleure alimentation va vous permettre de prendre plus de recul, ça sera moins impactant que si vous mangez mal, mais vous n'allez pas régler votre problème. J'aime bien cette image. J'aime bien. C'est une image, je ne vais rien dire, c'est une image à méditer. C'est une image que ma sœur m'a trouvée d'ailleurs, je la remercie pour ça. Parce que je n'arrivais pas à expliquer mon concept, pas mon concept, mais comment je voyais les choses à l'heure actuelle, quand mon entourage, observation, quand je faisais mes courses. Ou, eh bien là, ça représente bien. Voilà. Tout est dit sur une image, l'aspect toxique. Voilà. Tout est dit. J'aime bien cette image. Alors, ça, c'est les prochaines conférences à venir. Alors, si vous êtes intéressé, j'ai mis une petite liste ici. Vous mettez votre adresse email, votre nom. Et alors, à ce moment-là, je vous l'enverrai dès qu'elle sera lancée. Manger pour être mince, aliments toxiques dans vos assiettes, intestin, cerveau malade, le sport. Là, je l'ai fait exprès. J'ai beaucoup de sportifs dans la salle. Et moi-même, j'en suis une. Pas grande, mais je fais pas mal de sport. Le sport, stress oxydatif, attention les dégâts. Parce que à l'heure actuelle, moi je me dis, à 10 ans, les coachs sportifs, il y en avait très peu. Le sport, on en parle, on essaie vraiment de motiver les gens. Maintenant, c'est l'effet inverse. Et je dirais, c'est trop. C'est trop parce que ça, si vous le faites mal, si vous ne le faites pas dans les bonnes conditions, de façon intelligente, je veux dire le mot de la conclusion, en tout cas de cette conférence, vous augmentez le vieillissement cellulaire. Vous allez vieillir plus vite. Voilà, tout simplement. Avec les dégâts aux micro-blessures, etc., tout ce qui est occasionné lors d'un stress oxydatif. Et on est arrivé au fameux moment question-réponse. Donc vous avez la parole. Je vais passer le micro en tout cas pour ceux ou celles qui veulent parler. Donc voilà, je vous écoute. Si vous avez des questions. Je ne pense pas avoir été si claire, oui. Merci. J'aurais voulu savoir au niveau des compléments alimentaires, s'il y a des choses quand même qui sont régulièrement recommandées ou bénéfiques sans être nocives. Enfin bref, au niveau des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, j'ai une voix qui porte trop bien le micro. Alors, les compléments alimentaires, on va le passer à un autre moment. Les compléments, la complémentation ou la supplémentation, elle ne doit pas se faire par vous-même. Voilà. J'ai expliqué les différentes phases. Dans les phases de complémentation, la phase de complémentation hors enzyme n'intervient qu'à la dernière phase. Si vous prenez des compléments à base... J'aime bien, je prends l'exemple du magnésium. J'ai encore reçu plein d'articles sur le magnésium. C'est la saison, dès que la saison de l'hiver rentre, c'est le magnésium. Et tout le monde va se jeter à la pharmacie sur le magnésium, pas dire, ah, je suis crevée, je vais me faire une cure de magnésium. Parfois, il y a des gens qui se font des cures de magnésium toute l'année. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour vos intestins et c'est une catastrophe pour votre métabolisme au niveau, je dirais, des réactions biochimiques, donc des réactions chimiques du corps. Pourquoi ? Je vous ai parlé tout à l'heure d'enzymes, d'activation, de désactivation, etc. Il faut savoir que le magnésium est ce qu'on appelle l'antagoniste du calcium. Donc quand il rentre en compétition, on ne peut pas utiliser des mots trop compliqués, le calcium et le magnésium, quand ils sont ensemble, ils rentrent en compétition. Si vous déséquilibrez, c'est ce qu'on appelle cet équilibre ionique, donc vous ingérez plus de magnésium que de calcium, le magnésium va désactiver très grand nombre de réactions enzymatiques en chaîne dans le corps. Alors, il faut savoir, comme je l'ai expliqué, donc le magnésium va intervenir dans 600, à peu près, je ne sais pas les chiffres exacts, 600 réactions biochimiques, enzymatiques, on va dire, voilà, dans le corps. Le magnésium, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de 100 000 réactions enzymatiques dans le corps. Le calcium va intervenir dans 80% de ces réactions enzymatiques, de 100 000. Le magnésium, on en parle, parce que j'ai lu un bel article. Oh, le magnésium intervient dans 600 réactions enzymatiques. Il y en a 100 000. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est le calcium.
pour activer une enzyme, la majorité des enzymes, c'est le calcium. Elles sont calcium dépendantes, comme on appelle ça. Donc, vous allez inhiber, donc arrêter toute une chaîne de réaction enzymatique avec votre magnésium. Ça, c'est la première chose. Pas de réaction enzymatique. Je ne parle pas que de la digestion. Les enzymes interviennent pas mal dans ce qu'on appelle aussi le système anti-inflammatoire. D'accord. Vous allez avoir un effet cascade en chaîne. Donc, les problèmes. De deux, le magnésium. Évidemment, vous allez avoir une grosse charge. Il ne va pas être 900 mg. Moi, j'ai vu des dosages de 900 mg. Un, les transporteurs, ce qu'on appelle, ne sont pas bons en général. Ceux qui sont utilisés dans... Je dis, le magnésium est un effet de mode. Au coût de production, il coûte très peu cher. Mais on le vend très cher. C'est un gain. Donc ça, il faut bien intégrer. Vous allez vous retrouver aussi avec une concentration très importante au niveau de votre lumière intestinale, donc au niveau de vos intestins. Qu'est-ce que ça va provoquer quand vous buvez de l'eau épargne, par exemple? C'est pas trop. Les diarrhées. Mais qu'est-ce que la notion de diarrhée ou l'épargne, on donne ça. Le problème, c'est que vous allez... chasser l'eau de votre corps, parce que ce qu'on a fait, vous allez avoir aussi un effet d'osmolarité. Donc vous allez vous déshydrater et vous allez râper aussi vos intestins. Et pouf, aussi pour les mauvaises bactéries. Donc vous avez que des mauvaises choses. Si vous devez garder quelque chose à l'esprit aujourd'hui, l'équilibre. Ici, je ne viens pas promouvoir un produit ou un super aliment ou une super méthode. Non. On y va doucement, le corps aime la douceur. Ça, c'est clair. Vous lui donnez les choses, vous le déchargez. Lui donner des petites choses en douceur et il fera le reste. Il a un pouvoir de restauration extraordinaire, le corps. C'est une extraordinaire machine. Quand on est plus jeune, ça se restaure plus rapidement. Quand on est plus âgé, ça prend un peu plus de temps. C'est aussi simple que ça. Et au niveau de la vitamine D, il paraît que c'est bon pour l'immunité, Valérie. Ah ouais, la fameuse vitamine D. Alors, comme diraient certaines nouvelles études, il faut savoir pourquoi les gens, à l'heure actuelle, manquent de vitamine D. Et certaines recherches à l'heure actuelle mettent en cause les médicaments, comme on va prendre l'exemple de l'oméoprazole, médicament antiacide, que les gens prennent quasi tous les jours, parce que c'est pour l'acidité, ça ne fait rien. On ne pense pas aux effets secondaires. Problème, la même chose avec la vitamine B12. Donc à l'heure actuelle, on s'en portait bien, des gens qui ne voyaient pas la lumière du jour, entre guillemets, qui mangeaient correctement. Donc, il y a aussi une part dans l'alimentation, mais plutôt au niveau biochimique aussi, au niveau du déséquilibre. Il y a toujours, quand il y a un déséquilibre, il n'y a plus rien qui va. Donc à l'heure actuelle, on se pose la question de dire, la vitamine D, pourquoi les gens en manquent à l'heure actuelle? Ce n'est pas normal. Il y a 10 ans, quand on faisait les prises de sang, les gens en manquent. Il n'y avait pas autant de personnes qui manquaient de vitamine D. Il y a une vraie carence. Hein, oui, mais la supplémentation ne va pas régler votre problème. Ça, c'est la réponse. Absolument pas. Essayez de comprendre pourquoi vous manquez de vitamine D. Essayer de retrouver un équilibre, même si on ne maîtrise pas tous les détails, on essaye de contrôler ce qui ne va pas, de détecter ce qui ne va pas dans votre métabolisme, de contrôler, et alors à ce moment-là, d'essayer de régler le problème, et on fait un test par la suite, sans vous supplémenter. La supplémentation, la complémentation, notamment en fer, en magnésium, en vitamine D, ça peut causer de très gros dégâts. Donc moi je dis non. Voilà. Merci. Voilà. D'autres questions? Je m'attendais à une salve de questions. Nouria, moi j'aimerais bien que tu approfondisses un peu le sujet de collation. Oui. Voilà, étant maman d'enfants qui vont à l'école, le matin, le petit déjeuner, il se fait correctement, entre guillemets, hein, toujours un peu à la va-vite. Et alors, au niveau des collations, tu dis que c'est mieux de ne pas en prendre le matin, mais à l'école, on n'a pas trop le choix parce que quand ils sont... Ils peuvent avoir une collation, comment j'appelle ça, une collation de monsieur, pour faire comme les autres petits élèves de leur classe. Mais ils n'en auront pas envie de la prendre. S'ils ont pris un bon petit déjeuner, ils n'auront pas besoin de cette collation. C'est depuis, je pense, c'est en France qu'on a introduit ce système de collation à 10 heures pour les enfants. Ça ne doit pas être nécessaire. Votre enfant doit arriver à la cour de récréation. S'il a pris un bon petit déjeuner, il va peut-être prendre un fruit, une mandarine ou quelque chose comme ça, mais il ne sentira pas le besoin. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les enfants sont affamés à 10 heures. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des céréales petit déjeuner le matin, je ne sais pas si c'était de marque, parce qu'ils ont mangé la tartine au choco, la tartine à la confiture pain blanc, ou un croissant,
où on leur a donné un truc, un biscuit petit déjeuner, c'est la grande mode maintenant. Un biscuit, ça reste un biscuit, hein, quel que soit. Et alors, évidemment, cet enfant va mourir de faim à 10 heures. Et il va se jeter sur sa collation qui est de nouveau une crasse, en général. Même si on a réintroduit, ou un fruit. Quand un enfant, quand on meurt de faim, c'est pas un yaourt ou un fruit qui va caler la faim. C'est impossible. Cet enfant va pas. C'est normal qu'il va boire du sucre. Il a besoin d'énergie. Et la principale source d'énergie facilement assimilable par le corps, c'est le sucre. Il va pas dire, le cerveau va pas dire, va sucer des morceaux de radis ou des feuilles de. Pour avoir ce que je n'ai pas. Donc il va aller vers les choses sucrées, donc l'énergie rapide. Dès qu'on règle ce problème-là de base, la collation devient facultative. Donc on peut mettre un petit fruit ou des petites graines, ou ce genre de choses, des petites noix, mais l'enfant, vous verrez, il reviendra avec, il n'en aura pas besoin. Là, quand l'enfant est affamé, c'est qu'il y a un souci déjà à la base, dès le démarrage, dès le matin en fait. Et il y a aussi, en termes d'horaire, donc on a la collation vers 10 heures, c'est la récréation ça, 10 heures, hein? 10 heures. Et tout de suite après 1h30, 11h30, ben c'est l'heure du midi, quoi, hein, ils mangent. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce type de système-là, je trouve ça un petit peu dommage. Ça devait être étudié. C'était, je pense, à l'époque, pour promouvoir le lait industriel. Donc on a créé cette collation à 10h pour promouvoir le lait industriel en tétrapac, là, et pour écouler les. Parce que l'industrialisation a commencé à partir des années 70 qu'on a vu apparaître ce type de collation. Pour écouler ce type de produit-là. Donc moi je dis, l'enfant n'a pas besoin, s'il arrive et qu'il est affamé, il y a un souci. Donc il faut essayer de contrôler chez vous ce que vous pouvez contrôler. Et je le vois souvent, hein, même quand les mamans vont chercher les enfants vers 3h, ils sont affamés ces pauvres enfants. Exactement. Donc c'est vraiment, donc il y a un souci. Donc à midi, c'est sûr qu'on redonne des tartines de nouveau avec sans protéines, c'est-à-dire des tartines, on remet une couche confiture, ou ils ne mangent pas autre chose. L'éducation vient. Un enfant, c'est très simple, ça c'est la psychologie comportementale pure et dure. Un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Ça je vous le dis tout de suite. S'il a faim, il va manger ce que vous lui déposez. Mais les parents culpabilisent. Ah, il ne mangera pas, mais il faut quand même qu'il mange quelque chose, alors on va lui donner une compensation de. Mais un enfant, c'est très malin. Il vous a eu. Dès qu'il sait qu'il peut vous avoir comme ça, donc il va jouer avec vous. Alors que si vous dites c'est ça, c'est pour moi, s'il a faim, il va vraiment le manger. Des choses, il y a parfois des enfants qui disent, dans d'autres contextes, dans un autre environnement, mange tout. Ils partent en camp de voyage ou un truc comme ça, ils disent, ah ben là, il a tout mangé. Et à la maison, il ne mange pas ça. Donc il y a un aspect psychologique aussi qui entoure, qui est quand même très important. Aussi, c'est difficile, pour une maman de prendre du recul et ce genre de choses. Ça je peux comprendre. Mais c'est une question, je dirais, de ce qu'on lui donne le matin, et il n'a pas besoin de cette collation à 10h, pour moi. Ce n'est pas nécessaire. Quand il a bien mangé le matin. Voilà. Merci. Il y a peut-être d'autres questions avant de passer à la fameuse dégustation. Ah, le micro, j'allais juste devant. Salut. Je voulais te demander, pour tes consultations, tu pars de quoi? Parce que tu as parlé de maladies graves. Oui. Est-ce que tu pars d'un dossier médical, d'une prise de sang? Généralement, quand les patients viennent chez moi, c'est souvent envoyé par des médecins, donc des gastro-entérologues, etc. Donc eux me fournissent une copie de leur bilan médical. D'accord ? Sous accord, évidemment, quand le patient a décidé de venir chez moi. On ne va pas envoyer de bilan si le patient ne veut pas. Ça, c'est déjà une chose. Quand le patient ne vient pas via un médecin, je demande les prises de sang, la liste de médicaments, et je vais voir d'autres médecins avec les symptômes. Parce que le problème à l'heure actuelle, la médecine allopathique a son avance. Je ne discute pas le fait qu'il faut aller dans les médecines, que les médecines parallèles, etc. Non. Mais le médecin n'a plus le temps d'aller voir le patient, de l'écouter. Parfois, on peut régler certaines petites choses, mais moi, je passe 1h30, voire 2h avec mes patients. Ou quand je ne passe pas 1h30 ou 2h avec mes patients, c'est pour ça que j'ai réduit très fort. On me dit, t'as pas de cabinet, pourquoi tu te déplaces? Je me déplace chez les gens parce qu'il faut prendre du temps. Voir leur environnement, c'est très important. Et tu passes 2h, je passe 1h30 avec eux, plus 2h à étudier leur dossier à la maison. Quel médecin a le temps de faire ça pour un patient? C'est impossible. Donc, je ne pars pas sur un dossier peut-être médical avec tout. Il a subi tout type d'opération, je lui demande, etc. Les réactions. J'ai pas besoin de tout le dossier médical pour réguler son alimentation. Je sais que je ne lui ferai pas de mal en régulant son alimentation. Mais le problème, parfois inverse, s'opère, où le patient rêve avec une liste de médicaments comme ça, et moi je ne sais rien faire. Je dis la vérité, moi je ne sais rien faire. Il y a ce qu'on appelle des médicaments de confort. Comme l'oméprazole, l'antiacide, ou moi je téléphone au médecin.
expliquer la bonne matin, j'ai eu le téléphone, j'ai dit écoutez, moi je ne peux pas travailler sur une base comme ça. Moi, ça sont assez étonnés. Mais ils sont quand même, je trouve, de plus en plus ouverts. Alors, soit le patient est tellement chiant, il a tellement, je dis la vérité, il a tellement saturé qu'il me dit ok, j'enlève tout, vous faites ce que vous voulez avec, c'est vrai, j'en ai de plus en plus, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas une critique. Ou le patient dit ah, il peut enlever ça, mais ça on le garde, etc. Et j'essaie de travailler. Mais quand un patient prend des anxiolytiques, il prend l'omeprazole, il prend des statines, il prend un espèce de truc pour maintenant nettoyer les intestins, des prébiotiques, parce qu'en plus on mélange la médecine allopathique maintenant traditionnelle avec un tas de supplémentations. Je ne sais pas travailler sur une base comme ça. Même si je veux aider le patient, je ne sais pas. Parce que toutes ces molécules qu'il va prendre vont parasiter mon traitement. Et ça, ça ne va pas. Et qui tranche Moi, je pose la question. Après, c'est au patient qui tranche en général. C'est le patient qui décide. Moi, je donne mon avis. Il va voir son médecin. Parfois, je téléphone. Parfois, j'envoie un petit courriel au médecin. Et si le médecin dit « Ah non, raconte n'importe quoi, c'est une charlatane, etc. » Il y a beaucoup de médecins aussi qui disent ça. Je dis « c'est à vous de voir. » Mais moi, je ne peux pas vous traiter avec une liste de médicaments comme ça. Ça, je ne sais pas faire. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. Je pense que c'est un libre arbitre. Moi, je ne force pas les gens. Je donne mon avis. Et vraiment, de façon, je ne vais jamais détruire ou casser du sucre. Parce que la médecine, pour moi, allopathique a sa place. Elle a sa place, vraiment. Mais pour moi... Tous les bobos de la vie de tous les jours peuvent être prévenus. C'est ça que je trouve dommage d'aller voir un médecin et de se retrouver avec du Tamiflu ou des antibiotiques parce que tu as un rhume qui est un peu dégénéré, par exemple. Alors que si tu avais une bonne immunité, ben, tu aurais peut-être un petit peu pas bien barbouillé pendant 3 jours, mais tu n'aurais pas pris du Tamiflu, tu n'aurais pas pris des antibiotiques. C'est ça que je veux dire par là. Après, bon, là, tu as pris un exemple des patients lourds à pathologie lourde. J'en ai beaucoup, c'est pas la majorité de mes patients, mais là je travaille toujours en collaboration. Mais je ne sais pas de faire changer d'avis au médecin. J'envoie, il dit oui, il dit non. Moi je n'ai pas d'énergie à parce que pour être convaincre. Chacun a des avis différents, et soit tu as des médecins qui s'allient, ou tu as des médecins qui sont complètement opposés. Je pense que chacun garde son. Mais quoi, après vous collaborez ou quoi tu, Non, généralement le médecin, je n'ai pas de collaboration, c'est lui qui diminue son. Le patient retourne chez le médecin. Il supprime et il diminue très fort jusqu'à supprimer au final. Et moi, je travaille en parallèle. Généralement, il ne demande même pas le rapport de retour. C'est le patient qui va chez lui, je me sens mieux, je suis en meilleure forme, j'ai plus d'énergie, j'ai moins de crise d'eczéma. Et j'ai un petit peu de tout, en fait, des patients. Mais c'est très lourd. Il y a, je dirais, les patients qui ont vraiment un retour positif par rapport à tous les patients que j'ai vus avec cette continuité. Il y en a très peu qui sont motivés jusqu'à... C'est long, hein. C'est long. Pour moi, c'est pas long, mais pour eux, c'est très long. Alors, après, ils disent, non, je retourne. Alors, ça, c'est l'anecdote très marrante. On m'a dit qu'à cause, mais c'est vrai, hein, à cause de moi, je ne savais plus manger de crasse. Et qui regrettaient, il y avait vraiment des personnes qui m'ont dit qu'ils regrettaient d'avoir commencé ce traitement, parce que maintenant, quand ils mangeaient une crasse, ils étaient malades. Ils avaient des barbouillis. Ils sentaient vraiment leur corps rejeter cet aliment. Et ça m'a fait rire parce que on me reprochait de leur avoir fait du bien d'un certain côté. Bon. Ça, c'était un peu... Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas à ce type de réaction au début. Et c'était drôle. C'était assez drôle en retour. Il y a une question... peut-être faire circuler le micro à l'arrière. Mais sinon, je peux le faire sur le micro. Je ne sais pas si le son est pas bon. Voilà. En parlant des maladies lourdes, pour la maladie de Crohn, est-ce qu'elle est provoquée aussi, ou bien comme d'autres maladies pour cause inflammatoire, comme la polyarthrite, etc. Mais surtout la maladie de Crohn, est-ce qu'elle peut être provoquée par une mauvaise alimentation, parce que c'est héréditaire, etc. Parce que, Complètement. Et comment vous envisagez le traitement par rapport à ces gens-là? C'est donc ouais. Commensal, on attaque vraiment les intestins limités. Vraiment. Et j'ai des patients, je peux donner des références, des patients qui n'ont plus jamais eu de crise, plus jamais de leur vie. On attaque la flore, on augmente l'immunité. Et des aliments qui disent « Ah, je ne peux pas les manger, c'est impossible », il peut tout à fait les manger à l'heure actuelle. Ça prend du temps, ça a pris 1 an et demi avec ce patient-là. J'ai d'autres exemples, mais c'est une question d'immunité. C'est une maladie industrielle, on sait... L'alimentation fait partie, mais il y a des hypothèses sur on ne sait pas exactement d'où elle provient. Qu'est-ce qui la déclenche? Bon, le stress, il y a pas mal de thèses sur cette maladie. Moi, le but, ce n'est pas de tout maîtriser. Alors, beaucoup de gens me reprochaient que je peux vous donner toutes les références de comment cette méthode s'est mise en place. Je n'ai aucun souci à vous trouver les références scientifiques.
je ne vois pas l'intérêt de les étaler. Moi, j'ai de l'observation, je donne une argumentation et j'ai essayé par moi-même de faire comprendre les choses. Il faut le tester. Il n'y a aucune toxicité, il n'y a aucun... Ce n'est pas un médicament miracle, ce n'est pas la boîte de Pandore que je propose. C'est moi passer mon énergie, passer mon expérience à vous aider, à vous donner des outils pour sortir de ce cercle. Et je dis toujours à mes patients, ou les gens qui me posent des questions, testez. Vous avez 10 jours. En 10 jours, les cellules arrivent quand même pas mal à... Je dis, vous allez être en bonne santé, mais vous allez déjà sentir, même beaucoup de gens me disent, un regain d'énergie. La principale chose que les gens ont perdue dans des cas d'inflammation chronique ou aiguë, enfin les aigus, on sait les maîtriser, on sait qu'elles sont aiguës, mais les phases d'inflammation chronique, donc pas mal de gens souffrent et trouvent ça normal. On les a conditionnés à trouver ça normal. Mais c'est pas normal, comme je vous dis, de vous lever fatigué, d'avoir de l'acné en permanence, d'avoir les cheveux qui tombent, voilà, d'être pas bien, de traîner la patte, c'est pas normal. On peut avoir ça, je dis, quand, par épisode, on n'est pas tous des super, ça c'est clair, mais avoir ça de façon régulière, ce n'est pas normal. Et c'est ça que je dis. Et quand les gens peuvent comparer, parce que des fois, les gens ont vécu comme ça toute leur vie. Et quand, mais je dors mieux, j'ai une meilleure qualité de peau, j'ai plus d'énergie, juste ça, sans même ressentir ça dans les 10 jours, dire, quand même, je revis. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut arriver. C'est redonner à votre corps ce qu'il a besoin pour pouvoir, je dirais, vous, se mouvoir et vivre, tout simplement. Et pas traîner, comme je dis, des choses, des sensations, des pathologies, d'être pas bien, etc. Et parfois, ce sont des petites bêtises que les gens ne pensent pas à faire. Enfin, ne pensent pas que ce à mal, on va dire. 6 litres de café par jour, ben, je sais peut-être que c'est pas bien, mais c'est du café, par exemple. Mais juste ça, ça peut... Enlever juste ça, ça peut déjà réguler pas mal de choses. C'est voilà, trouver des... Ça, bon, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais parfois, ce sont des petites choses que les gens font et qui ne se rendent pas compte qui font mal. Vraiment. Voilà. Il y avait une autre question, je pense. Tu peux juste passer, parce que tu es un peu loin pour la... Donc, moi, j'ai une petite question. On a une vie... voilà, et dans la vie de tous les jours, on a des problèmes. Enfin, moi, j'ai plus des problèmes d'estomac que d'intestin, et on lit ça souvent au stress. Est-ce que l'alimentation peut aider? Parce que moi, si j'ai un coup d'acidité en général, c'est le prazole qui passe. Voilà. J'imagine. Quand on a mal, on va trouver une solution. Voilà, je viens d'apprendre que c'est pas bon. Mais voilà, c'est quoi la solution? Alors, la solution, il n'y a pas de solution miracle. De nouveau, je reviens, moi je propose des choses pour vous aider, mais il faut un petit peu la contribution, on va dire, il faut donner de votre personne, comme on appelle ça. Si tu ne donnes pas de ta personne, moi je peux bien te fournir tous les outils, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, le problème d'acidité, un, c'est lié à ton état de stress, ça c'est clair et net, no discussion, et deuxièmement, c'est aussi lié à ton alimentation. Bon, l'un ne va pas ranger l'autre, hein. Donc, mais le recul et la gestion du stress. Il y a des aliments qui te permettent de prendre plus de recul. Quelqu'un qui mange mieux, dont les outils sont mieux absorbés, parce qu'il y a mangé, tu peux manger bio, mais si tu as les intestins et manger non toxique, et si tes intestins sont enflammés, ça ne sert strictement à rien. Tu jettes ton argent dans les poubelles, dans les toilettes plutôt, et tu peux aggraver le cas. Donc je dirais, il faut rester raisonné et raisonnable. Essayer de comprendre ce qui se passe dans ton métabolisme, donner des outils pour t'aider à te calmer. La nature, elle est bien faite. L'extrait de pistil de zafran. J'ai un complément extraordinaire qui peut t'aider. Les extraits de la mélisse, par exemple, le soir, ou la verveine. Mais ça, ce sont des outils qui doivent être utilisés, comme j'ai bien utilisé pendant toute cette semaine, moi, pour la préparation de cette conférence. Pour mettre... ça a bien fonctionné, la mélisse, ça, c'est clair. On utilise les huiles essentielles ou les plantes pour aider à un moment donné où tu sais, pour anticiper, prévenir. Mais quand l'acidité est là, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, à ce moment-là, il faut traiter cette acidité pour qu'elle ne revienne plus et prévenir pour la suite. Mais le traitement est un petit peu plus complexe et je te verrai en MP, comme on appelle ça, pour essayer de te proposer une solution qui est plus détaillée à tes besoins. Ça va? D'autres questions? Avant que je reprenne le micro pour vous présenter la dégustation. Non? Il y a une question encore devant. Tu peux juste prendre le micro. Que
as parlé de la première phase, si tu peux un peu... La phase de déchargement, oui. Alors, la première phase, elle est... c'est entre 10 et 20 jours, en fonction du type de patient et de comment il arrive. Et c'est une phase de déchargement où je vais proposer des outils, une alimentation, un plan alimentaire très strict, avec des recettes très strictes, que le patient doit suivre pour pouvoir décharger ses organes, les intestins. Évidemment, ça va s'apporter sur le foie, etc. Donc, j'ai choisi un type d'aliment. Ça a été validé par mon mentor, hein, je tiens à le préciser. Donc, tous les aliments choisis dans le plan alimentaire vont avoir une utilité pour essayer de mettre au repos les organes et permettre un petit peu un renouvellement cellulaire tout en douceur. Il y a aussi des plantes. J'utilise des plantes comme l'hibiscus, notamment, dans ce traitement. Donc, des choses assez douces pour permettre un petit peu de permettre au corps un petit peu de se restaurer lui-même. Mais c'est très précis, très strict. La phase 2 est plus souple, par exemple. Là, je donne des outils et je dis que tu dois aller chercher là, attention à tel produit. Là, je regarde plus les produits, la façon de cuisiner, mais la phase 1 est plus une phase où il y a ce qu'on appelle une petite vinaigrette détox avec des aliments, du curcuma en racine, du gingembre, pour stimuler l'immunité, pour diminuer l'inflammation. Donc, j'utilise un tas de petits trucs dans la nature pour aider le corps à se régénérer. Ça, c'est individualisé aussi ou c'est un... Non, alors c'est un plan alimentaire détox. Et puis il y a des gens qui disent, je ne supporte pas le poireau. Pas de problème, tu remplaces avec autre chose, la courgette par exemple, ce genre de choses. Parce que je ne peux pas individualiser tout. C'est au fur et à mesure qu'on découvre des choses que j'individualise, comme j'expliquais. Toutes les phases sont comme ça. Il y a une base qui est la même. On est tous des êtres humains. C'est pas une phase, j'ai dit, pour les félins ou pour... donc on est pour des omnivores, donc je fais une phase que je considère qui respecte notre code génétique, donc qui respecte notre système digestif, de la façon, de la manière dont on digère. Et après, évidemment, les patients, je ne supporte pas ça. Ah tiens, je n'ai pas une réaction. Ah tiens, j'ai ceci. Ah tiens, j'ai un peu d'urticaire. Là, je me suis dit, j'ai un peu forcé sur, par exemple, sur une des plantes qui a déchargé le foie. Sauf que je passais à des plantes plus douces, par exemple, parce qu'il faut savoir que quand on décharge trop de toxiques dans le foie, ben, notre système immunitaire, ben, il est mobilisé pour... C'est pas le foie qui va... Le foie, il sort dans la circulation sanguine. Mais après, il dit, allez, système immunitaire, c'est ton job de le faire. Mais pendant que le système immunitaire, il est occupé à décharger votre sang de ces toxines envoyées par le foie, ben, il ne fait pas son job de protection. Donc c'est pour ça que les cures détox traditionnelles qu'on connaît, c'est très mauvais. C'est très, 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 très mauvais. Voilà. Là, c'est plutôt en douceur. On envoie juste ce qu'il faut pour éliminer en douceur. Donc il y a des tas de choses aussi que j'ai découvert et que j'ai mis en place pour que ce soit plus soft, on va dire. Plus doux pour le corps. Micro-question. Oui, micro-question. Et la mode des jus à l'extracteur et tout extra ça. Extra mauvais. C'est vrai. Moi j'appelle ça, avec la soupe, j'appelle ça le bouillon de culture pour intestinal. C'est... Pourquoi ? Alors si vous voulez devenir diabétique... Une dose ou quoi ? C'est juste pour... Alors, si on veut déguster une fois de temps en temps qu'on aime bien... Ah ouais, tous les... Moi je dis jamais non, si vous n'avez pas de ballonnement ce jour-là. Parce que si vous avez un ballonnement et que vous prenez un souci... C'est par rapport au fait que ce soit cru, c'est... Non. Alors c'est... J'ai parlé de mastication. Mâcher. Ah ok. Donc là, vous ne mâchez pas, vous buvez. On a détruit les fibres, quel que soit l'extracteur. Ok, vous allez avaler toutes les vitamines. Youhou, elles sont... La majorité déjà des vitamines ne sont pas utilisées parce que vous les avez séparées de leur coque initiale. Et la simple réflexion, j'ai envie de vous dire, dans un smoothie ou dans un jus de légumes, n'importe lequel, essayez de manger ce qu'on vous met dedans, le panier qu'on vous met dedans. Est-ce que vous pouvez le manger? C'est physiologique. Donc pensez toujours à ce que la nature vous a donné. Il y a pas de jus. Enfin, moi, je suis très observatrice de la nature. Il n'y a pas de bouteille de jus dans le... Il n'y a pas d'arbre à bouteille de jus. J'appelle ça. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Si tout être humain pourrait être en bonne santé, la nature est bien faite. Devait avaler un panier de fruits, un panier de légumes qu'on mettait. Il n'y aurait plus rien pour personne. Déjà à la base. La nature, le corps humain même, il aime bien qu'on lui donne un truc. Il n'aime pas les trucs mélangés. Déjà à la base, il n'aime pas. C'est dur, il doit séparer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne connais pas. C'est dur pour lui. Et il n'aime pas quelque chose. Quand vous donnez à votre corps quelque chose qui le stresse, de nouveau, il ne fait pas son job. Il aime bien la facilité. Donnez-lui quelque chose qu'il reconnaît, qu'il a facile à couper. Vous allez l'absorber tranquillement et tout l'aspect inflammation va commencer à diminuer tout doucement. Mais si vous le chargez, c'est un des exemples, je donnerai d'autres exemples dans la conférence pour maigrir en mangeant, mais ça donne, c'est une catastrophe pour les intestins.
Alors, je dis, un smoothie par jour est égal à diabète dans 3 ans. Ça, c'est clair et net. Qu'il soit de jus ou qu'il soit de parce qu'on dit les légumes, c'est mieux, non? On n'est pas fait pour avoir une concentration d'éléments dans les... Après, ça peut être très bon, hein, je ne dis pas le contraire. Ça peut être un plaisir. Vous pouvez prendre une fois de temps en temps par plaisir. Mais ce n'est pas un acte santé. Ça, je le dis, je le répète. C'est pas gêne, la quantité d'informations contradictoires que l'on entend. Mais moi, j'essaie de vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le métabolisme. Ah. Mais les soupes, c'est bon, quand même. Non. Moi, ce que je conseille quand les gens viennent, c'est l'hiver, les soupes en morceaux, les minestrones, les choses que vous pouvez mâcher un petit peu. Pas les soupes moulues. De nouveau, c'est la même chose. Vous concentrez un type d'élément. Et moi, les soupes, en général, il faut diluer votre estomac. Donc, moi, les soupes, en général, je le dis, vous mangez d'abord et vous prenez votre soupe à la fin. Ou au milieu de repas. Mais jamais ouvrir le repas avec une soupe. Là, vous diluez déjà votre estomac. Et alors, déjà, vous partez avec un handicap pour digérer vos protéines. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que je déconseille. D'autres questions? Et je vais parce qu'il faut passer à la dégustation, je vous ai préparé des bonnes petites choses. Hein. Je vais présenter. Oh, excuse-moi. Voilà. Oui. Oui. Alors, bah, tout d'abord, donc la conférence est finie. Je vous remercie pour votre attention. Ah, attends, j'avais une belle image de Winnie l'ourson quand même. Hein. Je voulais la mettre. Merci pour votre délicieuse attention. Alors, j'ai préparé une petite dégustation pour vous qui est complètement vegan et... Voilà, c'était plus une dégustation, je ne suis pas pour le produit vegan ou végétarien pur, mais je voulais que ce soit accessible à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui ont des intolérances et ce genre de choses, déjà de 1, et vous faire découvrir les légumes sous une autre forme. Alors, toujours accompagné si vous le faites en repas, parce que je vous proposerai les recettes, mais si vous voulez les recettes, il faut vous inscrire, parce que je ne les ai pas pré-imprimées, donc voilà, vous mettez votre nom et votre email, il faut d'abord déguster évidemment, si ça ne vous plaît pas, n'inscrivez pas votre nom, mais voilà, en tout cas j'ai préparé 3 petites choses, j'ai préparé un quinoto de légumes, parce qu'au début c'était du fenouil, et puis bon, mon petit panier bio qui est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de fenouil, et il y avait beaucoup de persil tubéreux et de carottes sauvages, donc j'ai fait un petit mélange au beurre de coco et au lait de coco. Et coriandre fraîche, et curry, tout est bio, hein, 100% bio, je peux vous montrer la facture, 100% bio. Alors vous avez aussi des patates douces et du butternut version orientale, avec du pistil de safran, du curcuma bio et du gingembre, et de la cannelle. C'est un peu particulier, c'est plutôt, on va dire, type un petit curry marocain, si je peux dire, avec des hauts noix. Et vous avez en dessert mon fameux itanasien. Donc c'est un mélange de fromage blanc mascarpone avec un coulis de mangue et de la noix de coco torréfiée. Et on a mis un petit, une petite surprise que ma soeur a rapportée de Reims, des biscuits artisanaux. Artisanaux ? Un biscuit ? C'est juste ? Oui, j'ai fait la bonne liaison. des biscuits artisanaux de Reims. Voilà, des petits boudoirs. Voilà, je vous invite à déguster. Les dégustations sont prêtes ? Oui. Et je voulais dire pour ceux qui étaient intéressés parce qu'on m'avait posé les questions, donc pour éviter les envois, j'ai pris mes petits livrets détox et immunité. Alors c'est quoi ces petits livrets? Ces petits livrets reprennent des petites recettes de 10 jours pour les gens qui veulent suivre une petite cure de déchargement ou une petite cure pour stimuler leur immunité. Donc c'est 10 jours, il y a mon adresse email aussi si vous avez des questions. Vous voulez adapter certaines choses, n'hésitez pas. Je ne sais pas si certains ont déjà eu essayé quelques recettes qui peuvent donner leur avis. Ou je sais qu'il y en a déjà qui l'ont déjà eu. Quelqu'un l'a eu, non? Vous avez déjà essayé les recettes? Non, j'ai eu le programme. Le programme, mais c'est un peu différent, ça. C'est un petit peu différent. Donc voilà, vous savez qu'il y a ces petits livrets pour ceux qui veulent. Et ne partez surtout pas en votre petit cadeau. Hein. Vous avez des petits cadeaux. Hein, je vous ai bien gâté. Hein, des petits cadeaux, avant votre petit sachet avant de partir. Mais je vous invite à la dégustation et je me joins à vous tout de suite.